La mort de Patrice Angel bouleverse l'enquête dans un si grand soleil. Manu a donc été suspendu de ses fonctions, car seul face à la victime, il aurait pu outrepasser ses droits pour tuer le nouveau baron de la drogue. Dans l'épisode 979, diffusé le lundi 19 septembre 2022 en avant-soirée sur l'antenne de France 2, le policier est entendu par l'IGPN. Manu blanchi par Hugo dans un si grand soleil. Manu, Moïse Santamaria, assure avoir respecté la procédure. Hugo, le médecin légiste, appuie ses propos en disant que le coupable s'est effondré des suites de son anévrisme rénal, car certaines sutures ont lâché. Il s'est donc vidé de l'intérieur avant de mourir en plein interrogatoire. Cependant, les analyses toxicologiques ne donnent rien et Patrice, Pierre-André Gillard, n'a pas de traces sur le corps. Juste avant, Eva, Camille de Sablet, est bouleversée par la disparition de son homme. Elle demande alors à chercher un coupable. Johanna, Aurore Delplace, lui affirme qu'il est décédé suite à son opération clandestine. Mais Eva refuse cette hypothèse, certaine que Christophe, Hubert Benhamdine, est exempté de tout soupçon. Elle veut à tout prix un responsable et pointe du doigt le policier. Claire et Florent inaugurent la maison sur France 2 pendant qu'Eva pleure la mort de son mari. Claire, Mélanie Modran, essaie de renouer un contact avec son père, Victor, Bertrand Farge. Elle l'invite à un dîner pour baptiser leur nouvelle maison. Il est le bienvenu, mais pas sa compagne. L'employé de la paillote refuse catégoriquement son appel, mais Hélène, la chef des infirmières, veut que ce dernier se réconcilie avec sa fille. Enzo, Teilo Azaïs, passe chercher ses cartons à l'appartement. Soudain, Kira, Colin Ramos Pinto, lui téléphone et lui demande de mettre sa fierté de côté, car cela fait 3 mois que Florent et lui ne se sont pas vus. Le jeune homme débarque à la maison de Claire. Elle est si heureuse de le retrouver. Le sentiment est alors partagé par Florent, Fabrice Deville. Le père et le fils visitent les lieux après ce retour inattendu, et lui montrent sa chambre. Florent fait une révélation émouvante en admettant qu'il a eu peur de perdre son enfant. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à découvrir dans les prochains inédits d'Un si grand soleil, diffusé du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Découvrez ici le résumé de l'épisode 978.